Et salut tout le monde, c'est Oxor les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 8ème étape du Tour de France entre Tomblaine et Gérardmer, ou Gérardmer, je sais pas trop comment on dit. Et je suis toujours avec Lynx Fusion. Comment vas-tu? Très bien et toi? Bah écoute, ça va, il fait chaud. Ah ouais, là, enfin une étape intéressante. 160 km, c'est pas de la haute montagne. Non mais bon. Mais c'est du vallon, première partie de course inintéressante. Hein. Ouais, ouais, voilà, on va le dire. Mais bon, ça va rouler sur un bon tempo, je pense. Parce que c'est court, les chats qui se battent, ouais. À interposer d'une porte, c'est tournoi. on est parti, qu'en penses-tu? Allez, go. Ok, Arashiro, on a un petit peu... Ouais, ouais, pourquoi pas, au pire, tu l'as vu. S'il arrive à essayer de franchir le deuxième catégorie en tête, ouais, on porte son maillot. J'y crois pas, mais bon. Moi non plus, j'y crois pas. On avait dit café citron. Ouais, parce que t'as c'est pas toujours besoin un de bon chose dans la première partie. Un café, un citron, un frisant. Voilà, ok. Voilà. C'est parti. Ils cherchent, hein, les chats, la transition de se battre. C'est dommage qu'on peut pas vous filmer en parallèle ce qui se passe aux alentours. C'est toujours très marrant. Un attaque, petit attaque de Yoda, ouais, attaque contre de Hera. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est mise en position fœtus. Ouais, mais là, elle est... Gare. Si je t'ai pas vu... Elle nous fait une froume, en fait, je crois. Là. Ouais, elle est prête à attaquer, là. Bon, ça va être, ouais, ça va être calme. Calme plat. On va écouter ce qu'il va dire, le commentateur. Ouais. Savoir s'il dit Gérardmer ou Gérardmer. Ouais, c'est la grosse question. Temps de chargement long. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça, c'est un truc qui n'a pas changé. Alors que pourtant, il n'y a pas. Il n'y a pas non plus un chargement immense, quoi. Allez, c'est parti. On va écouter Jackie Durand. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui qu'est dressée la scène pour une première explication entre les gros bras du Tour. Le col de la Croix des Moinas et le col Grosse Pierre auront déjà exclu les plus faibles en montagne lorsqu'il s'agira d'escalader la dernière difficulté, le col de la Moselaine. D'accord. Voilà. On n'est pas plus dans l'os. On est resté poli. Tant pis, hein. Gérardmer, Gérardmer. Voilà. S'il y a des abonnés qui ont la réponse, hein, merci de la journée. Ceux qui sont peut-être du coin en plus. Hein. Voilà. Parce que bon, c'est. Ça contre déjà. On ne parle pas de là-bas, il y a des risques qu'on écorche. Hein. Comme il y en a qui disent Oyonnax, c'est Oyonnax. Ouais, voilà. Il y en a qui disent Viermoz alors que c'est Viermoz. Hein, voilà. On n'est pas. Bah, surtout que selon les régions, on voilà, pas selon les régions, on prend. Mais c'est qui? C'est Gauthier, on va le laisser partir. Écoute, hein, pourquoi pas. Deux faites un plaisir, hein. Il a envie, hein. Il a les fonds dans les jambes. Deux étapes qui va essayer de partir, donc part, mon petit modem. Pourquoi pas, hein. Ça va être compliqué a priori. Vraiment. Ça va être compliqué, on roule tous en plus. Même le maillot aujourd'hui du balade. Oui, pourquoi on roule? Ça sert à rien rouler, les gars. On s'excite pas là, tranquille. Reçu 5 sur 5, on reste au chaud. Allez, ça compte derrière. Arashiro! Avec Trofimov. Grand rouleur, Rachir, on le connaît. Hein. Très très grand rouleur. Champion du monde, il me semble. Enfin, champion national du Japon, je crois, non? Je sais pas. Il me semble, encore une fois, cette année. Oh là là. Ah bah là, il est bien sorti. En même temps, au Japon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de rivaux à Rachiro. On connaît rien, mais. Bah, ils sont plus pistes. Ouais. Enfin, Kerim. Ouais. Il est à mort, d'ailleurs, cette année. On en a parlé. Hein. Ouais. Je suis champion du monde d'Afrique du Sud, je crois. Le national d'Afrique du Sud. Pas mal de décès, hein, enfin après c'est tous les ans je pense en cycliste, mais. Son coup de pédale, c'est pas un métier, c'est vrai que c'est pas un métier sans risque quand même. Non, c'est pas du foot, du basket où t'es dans des salles, dans des stades où tu risques rien. Là t'es sur la route, quand tu t'entraînes, t'es comme n'importe quel autre, comme si toi au moins on allait en faire, hein, tu peux te faire renverser par une voiture n'importe quand, tu peux tomber et puis te. Voilà, enfin. J'arrive pas à sortir! Ils ne veulent pas que je sorte. Par contre, dès que tu te relèves. On va s'amuser comme ça. On fait le chat à la souris. Non mais là, j'arrive pas à sortir. Fais-en sortir un autre. Ouais, je vais essayer. Bah, si, on va essayer de se faire sortir Gauthier, allez. Ouais, il a mis les gens depuis tout à l'heure. Je vais pitié. Oh, ça roule derrière moi. En boulevant. En boulevant, ouais, j'y crois pas moi, en boulevant. Ou Sika. En boulevant, on essaye un boulevant. Un coup de vent. Il est loin, il est loin en général. Un coup de vent, c'est parti. Dis-moi un coup de vent. Il a rien que pour monter le peloton, il a plus d'énergie. Il est déjà cassé, pauvre. Chavanel. Oh là là, il a un bon de sortie. Ah non. Trop dangereux, t'as même. Trop dangereux, trop dangereux. Ouais, 16 minutes, c'est sûr. Le mec, il peut prendre le maillot jaune quand il veut. On essaye qui? On a 6 cas.
Allez, c'est parti, on a 6 cartes. Ah, à mon avis, ils vont pas se partir maintenant. Ils sont pas spécialistes du plat, mais bon. Alors, ça suit derrière. En tout cas, non, là, ils sont en train de rouler, on dirait aussi pour l'échapper. Ah non, non, c'était ton coureur qui insistait tout seul, alors il continuait. Du coup, ça fait du mal aux autres de devant, ils se font pénaliser. Là, il y a MC King, on les fait rouler par contre. Sur Kluger, hein, il revient à chaque fois. Hein. Ah, Kluger, hein, c'est un Allemand. Hein. Ouais. D'ailleurs, depuis 4 juillet, je n'aime plus les Allemands. Ils nous ont tapé. Ah, zéro, c'est rien. Ouais. Il m'est arrivé un peu de voir, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Attends, en fait, j'aurais bien envie de rester avec Arashiro. S'il est déjà cuit. Est-ce qu'on peut contrer? Vu qu'il n'y a plus personne dehors. Allez. Ils vont essayer de revenir des 4 ou 3 qui étaient partis. Non. Eh, ça part, hein. Ah. Ça part comme maman dans. Comme papa dans maman. Ouais. Comme maman dans papa, j'allais dire. C'est un peu bizarre. Comme un boudoir dans le café. Comme un boudoir dans le café, voilà. C'est une nouvelle expression. Hein, J'ai foutu un copyright dessus. Ouais. Ceux qui comprennent pas. Ouais, je pense que tout le monde comprend. Hein. Un boudoir dans le café. Ouais. J'espère. Hein. Enfin. Là où tu l'as utilisé pour moi, tout le monde a compris. Moi personnellement, ça me paraît compréhensible après. Oui, oui. Moi, j'avais pas mis longtemps. Donc, il y a qui? Isagir, Gezing et Taramae. Comme hier, hein, 4 équipes différentes. Mais pas n'importe qui devant, quand même. Isagir, Taramae. Et... Ça roule, hein. J'arrive même pas à recoller. T'as un peu le Mickey du groupe, là, en fait. Ouais, je suis Mickey. Ouais, c'est vrai. Même Isagir a du mal, hein. Taramae, en fait, il a vu que tu passais pas, donc il a recollé. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, t'es qui toi? Maillot à poids, qu'est-ce que tu fais là? Elle veut prendre les points, mais ils sont à l'arrivée les points, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. Il passe bien les boss, une minute, donc là normalement ça devrait être la bonne. Ouais, pour je vais me reposer un peu. Hein. Genre, je vais sucer les roues. En même temps, j'ai 41% voilà. Des relais. Moi, j'ai rien fait. Ouais, c'est bizarre. Parce que c'est toi qui as lancé l'attaque? Comme c'est peut-être pris, c'est vrai, ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors par contre, c'est toi le. C'est un pur grimpeur. T'es 64ème du match, toi mieux placé? Bah, avec Arashiro. Arashiro, c'est un grimpeur, hein. Ah, les deux, ils sont nuls. Mais regarde, j'arrive pas. Attendez-moi! Et puis là, ouais, avec ton café. Ouais. Un café, un frisant. Il roule, hein. Quand même, c'est rare, hein. Marc, on voit bien, ils sont en bonne position, hein. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Je pense que tu vas plus en faire partie très longtemps d'échapper. Je pense que c'est foutu. Je sais pas, hein, c'est l'intuition. Il nous faut une Arashiro. Ah, il se relève un petit peu, non? Ouais. Tu vas peut-être pouvoir rentrer au bon moment et puis te mettre tout de suite dans les roues. Tu te rappelles l'étape d'hier, hein? On fait pareil avec Arashiro, on nous fait rattraper après le peloton. Ouais. Il fait ouais, mais t'étais moins bien sorti, il y avait pas autant, il y avait pas deux minutes. Bon, c'est bon. Là, je prends, allez. Tu fais quoi? T'armais. Ah, je t'ai vu, t'arrêtes au milieu de la route. Oh, j'attaque. Ah ouais, je suis mieux placé, hein. Gazing à 11 minutes déjà. Robert Gazing quoi. Pourtant, oh, y'a rien eu. Dans les pavés. Les pavés, quoi, c'est tout. En même temps, on a roulé comme des connards. Hein. Oui, non, oui, c'est d'accord, 11 minutes quand même quoi. Hey, t'es crevé, c'est une chute. Son leader a peut-être tombé, Mollema, je sais pas. Oh, par contre, ça roule plus du coup. Hein. Mais plutôt... Ah bon, de toute façon, vous perdez pas de temps, c'est essentiel. Ouais. Plutôt, on roule pas non plus, ça veut dire. Hein. Ouais. Ah oh, bah là, oui. En même temps, hein, la course va se décanter dans les 30 derniers kilomètres. Hein. Bah, ça va commencer à accélérer un peu le peloton après le sprint intermédiaire, le ravitaillement. Ouais. Vu où c'est placé. Allez, on fout le bordel dans le chapé. On est l'enfant terrible. Et là, tu tombes, je rigole. On peut pas tomber dans ce jeu. Je suis jamais tombé avec un coureur sur du plat. Ah, sur du plat, non. Oh. Traverse une petite bourgade. C'est dommage que tu tombes pas, que tu prennes les barrières. Allez, bouge. Dans l'autre, tu pouvais tomber quand tu prenais les barrières, selon comment tu les prenais et selon la couleur des barrières. Ouais. Mais je connais même un coureur qui tombait en montée. Roland. C'est bien, tu l'as, c'est mon présage. Ah, c'est... Dans le dernier lacet de la première étape de la montagne. Voilà, voilà, voilà. Juste avant le petit replat qui était à 5%. Oh, est-ce qu'on peut. Non, on peut pas dire que c'est une étape de montagne celle-là. Celle-là? Ouais. Non, il y a deux cols. Enfin, il n'y a même pas des cols, il y a deux sommets. C'est des côtes. Deuxième et troisième, il y a un bon petit radar à la fin. Mais non, c'est pas. C'est vallon. Je pense d'ailleurs, j'ai pas vu. Oui, c'est vallon. C'est vallon, mais ouais. Après, on reste. Ouais, il y aura des. Il y aura sûrement des. C'est une étape de moyenne montagne, c'est comme certaines, dans le Jura ou autre.
Parce que c'est vraiment situé sur 30 bornes. Ouais, ouais, non, mais ça c'est sûr. Mais après, il y aura quand même des écarts. Ah oui, par contre, il y aura des écarts. Parce qu'il y a un mur à gravir à la fin. Il y aura des écarts parce qu'il y a un mur à la fin. Avant, il y en a deux où ça va quand même rouler. C'est tout sur la fin. Il y aura peut-être plus d'écarts que sur certains où il y aura plus de col, mais au début. Ouais, probablement, c'est sûr. Ouais. Taramel, c'est un quoi? C'est un lituanien, ça? C'est quoi ça? Estonien. Estonien. On va faire un peu de géographie. C'est le champion estonien, en plus, je crois, Taramel estonien. Cette année, je sais pas, l'année dernière, lui. En même temps, il y a que lui, là-bas. Ils ont 10 ans, ceux qui courent avec lui. Estonien, c'est un junior qui fait le tour. Je sais pas. Il y en a eu d'autres par le passé, mais là, cette année, je sais pas. Franchement, j'ai pas de... Bon, après, même s'il y en a 2, 3, vous avez vu, enfin, je veux dire, c'est pas les nations... C'est sûr. Hein. C'est pas les nations les plus représentées. Hein. Loin de là. D'ailleurs, dommage, hein, parce que l'effectif de l'Europcar est tombé quelques temps après que j'ai commencé le tour. Et alors, j'ai pas vu, moi. Kemener, qui est présent, que moi j'ai pas. Kevin Reza. Ah, Reza, ouais, je m'en doutais, ça c'est lui. Je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, pas tout tenir. Ils ont fait la présentation. Puis là, ouais, l'effectif a été donné 2-3 jours après que j'ai commencé le tour, donc c'est un peu dommage. On peut pas avoir la bonne équipe. Ce qui est chiant, c'est que Kevin Reza, ils n'ont pas fait blanc, enfin ils n'ont pas fait noir, je crois. Ça, c'est dommage. C'est le plus dangereux de l'échapper. Il me semble pas, après. Il faut voir, ouais, ouais. Mais, Si c'est comme le 2013, il est pas. Non, il était pas noir. Il est blanc. C'est bizarre quand même. Ouais, ouais. Tout ce cours de peau, quoi. C'est rien à changer, je pense, dans le programme du jeu. Ouais, mais après, ils veulent. Enfin, si tu regardes toute la tête des coureurs en. C'est de devant, ils ont une seule tête. Alors, oui, je sais, mais c'est pour ça, ils ont pu mettre la couleur. La couleur de peau, c'est rien. Ouais, mais du coup, sinon, on va pas se prendre la tête pour ça, quoi, tu vois. Puis vu qu'ils l'ont pas mis eux dans l'effectif type du tour, ouais. Peut-être que s'ils l'auraient mis dedans. Ouais, mais Kevin Reza, imagine, il joue au jeu, puis il voit blanc. Ouais. Ça peut être raciste. C'est vrai. Un Chiro aussi, il est blanc. Ouais, mais il est jaune, c'est pas bien. Il va pas faire la Pikachu sur un vélo. Guani, sont bronzés, quoi. Tous les coureurs sont bronzés, de toute façon. Un cycliste sur la plage, c'est horrible. Ah ben, c'est... En string. C'est, c'est un bronzage un peu particulier. Oui, mais ils sont tous lisses, en plus, généralement. Ben oui. D'ailleurs, peut-être tu respires pas. Toi, moi, je sais un petit peu, mais je pense que c'est plus, toi. Pourquoi les coureurs, ils se rasent? Ah ben, c'est... Esthétique, déjà. Ouais, c'est plus joli, mais c'est pour les chutes. Les chutes, ouais. Ça fait moins mal quand on enlève le pansement, quoi. Ben ouais, quand t'as des soins à faire, c'est beaucoup plus hygiénique. Beaucoup plus pour les massages. Pour tout ce qui est, ouais, pour voilà, tout ce qui, ouais, pour les passages aussi, mais c'est, ouais, c'est principalement pour tout ce qui est cause de chute, ouais, c'est plus... Après, ça, si t'as les poils très très longs, c'est pour pas te les prendre dans les rayons, ouais. si Chewbacca, tu vois, voilà. S'il se rase pas, il fait pas de vélo. C'est vrai. Après, moi, j'ai fait des courses, il y avait des gars qui étaient pas rasés, mais du coup, t'avais l'impression que le gars était 3 fois plus rasé que la normale, et puis c'est pas beau, hein, en plus, hein. Bon, après, c'est pas pour ça, mais bon, ouais, peut-être c'est... Peut-être une perte d'aérodynamisme aussi. Ouais. Peut-être que le vent il passe moins bien. Tu mets du gel, ça te les colle. Grave. Mais je comprends pas qu'ils ont pas encore pensé aux combinaisons. Enfin si, ça, sur la piste ça y est. Ouais. Après, regarde, à la piscine ils ont annulé après. Oui, oui, non. Puis bon, dehors c'est pas la même chose. Hein. Après les vélos, tout ça, c'est tout c'est en soufflerie donc. Voilà. Parle de poils. Hein. On a encore 80 km, on va dire, pas se passer grand chose. Hein? Donc on peut parler de poils, on peut parler de. 111, Carla, de blé. Ouais, à peu près une cinquantaine, 70 bornes peut-être même. Classement général, pour ceux que ça intéresse peut-être. Les 5 premiers. Ah, ça a changé! Le 5e. C'était Pozzato. Parce qu'il a dû lâcher. Ouais, il a dû lâcher, je pense. Ouais. Tu sais, comme il s'est fait rattraper, il a dû perdre un peu de temps. Donc c'est Mollema, de la Velking, qui a pris sa place. D'ailleurs, on parlait de poils, hein, le vélo, parce que c'est le sport où tout le monde se rase. Mais il y a beaucoup de sports où maintenant les sportifs commencent à se raser. Ouais. De plus en plus. Pour le côté esthétique, surtout. Certains pour le côté esthétique, et puis même d'autres pour. Voilà, par rapport à ça, mais. C'est comme en athlétisme, il y en a beaucoup qui sont rasés aussi. Ouais, mais c'est pour côté vraiment, voilà, parce qu'on voit qu'ils sont pas à poil, mais presque, quoi. Ils sont en short et en débardeur, généralement, donc
C'est sûr, la route moute qui dépasse, c'est du haut là, t'es là. C'est sûr que quand tu lèves, c'est sûr que quand tu lèves les bras pour faire un lancer de javelot, c'est quand même là, c'est plus agréable. T'as la touffe là-dessous là. C'est le javelot se prend dans la touffe, ça craint quoi. Tu regardes dans les JO 92 à Barcelone, c'est ça. Ouais, c'est en 92, c'est à Barcelone. Hein. Ouais. Tu regardes le lancer de javelot quand c'était les femmes qui lançaient le javelot, ils avaient la touffe sous les bras quoi. Donc, Arrête, je vais vomir. Vite les toilettes, vite. On va pas nous faire une cuique hein, comme la dernière fois. Oh, bah, tu arrêtes. Et je crois que je suis pas retourné depuis. Mais je suis pas retourné au cuique depuis. Si, j'ai emmené mes gamins. Moi, ils m'ont testé un petit coup pour voir si ça, tu vois. Mais ils ont pas été malades. Mais moi, je suis pas retourné. Mais. Allez, remarque. C'est mémorable. En plus, c'est resté dans les annales de Tim. Ah, finalement. Dans les annales. C'est le cas de le dire. Ils avaient bien aimé, je crois, tes abonnés. Ouais, ceux qui ne savent pas de quoi on parle, ils ont vite aller regarder les vidéos en coop, je crois. Ah ouais, c'était. Je sais plus quelle équipe. C'était le Ventoux, c'est là du Ventoux, je crois. Je sais plus. Ouais, mais c'était une catastrophe. Hein. Tourner toutes des vidéos comme ça en étant malade. Ouais. Sauf c'est marqué bonus dans le titre de la vidéo. Moi, il y a des moments pendant les vidéos, je pouvais plus parler parce que sinon ça sortait. Hein. C'était. Ouais, c'est sympa, ça fait un bon souvenir. Ça garde, ça reste au moins. Ah oui, ah, bah, ça va marquer, c'est sûr. Ah, petite route de campagne. Ah, c'est vrai qu'on on passe rarement dans les bois. Tu vois, on parlait des animations. Et tu vois, quand je vois cet endroit-là, moi je suis en vélo, j'aurais envie de faire pipi. Pourquoi il n'y a pas l'animation des corps et ça allait te faire pipi ou de la route? Ou tu sais qu'ils pissent, tu sais, ils baissent le cuissard, tu vois, non? Ça pourrait être bien aussi comme animation. Tu pisses sur ton pote, tu sais. Et les coureurs ne veulent plus rouler, tu l'auras pissé dessus. Un autre truc qui serait pas mal, c'est les trains. Ouais. Échappé, boum, un train. Un train, fini. Après, ça serait peut-être un petit peu trop scripté. Ouais. Moi, ce que j'aimerais qu'ils ajoutent, ça c'est possible par contre, hein, et je pense que ça va être envisagé. J'ai pas de source sûre, mais un mode histoire. C'est-à-dire remonte les 2 secondes de Laurent Fignon en 1900, machin, etc. Ah, sur Les Mans, tu vois, par exemple. Ouais. Ou voilà, Bellocchi chute, essaie de revenir sur Armstrong. Enfin, reprendre un événement marquant. Voilà, un événement marquant. Comme ils font dans les jeux de foot, les jeux de. Oui, où t'as des objectifs. Commencer en 15ème position, remonter en 3ème. Voilà. Ouais. Un peu comme Football Manager. Je pense que ça serait possible de faire un mode histoire comme ça. Ouais, un mode scénario. Oui. Surtout dans le vélo. Ou même pas forcément dire avec des faits réels, mais dire par exemple, voilà, tu prends une équipe. Donc tu choisis ton équipe et tu as plusieurs scénarios possibles. Le scénario commencer à la 5ème étape avec 6 minutes de retard, les ramener, commencer au maillot à poids. En fait, exactement comme les jeux de management de foot. Sauf qu'il y a déjà un peu ça avec les objectifs en fait. Ouais, sauf qu'au départ on commence tous avec le même, tu vois. Et également, il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est un peu, il y a le jeu de Coupe du Monde qui est sorti sur Xbox et PS3. À chaque match, à chaque fin de match, les éditeurs mettent un défi. Genre, imaginons la France, voilà, a été menée 1-0 à la 2ème minute. Ouais. Le but du jeu, c'est de remonter le score. Et imagine, sur une étape de vélo, étape 8, une connerie, je dis une connerie. Vous avez Rodriguez, il tombe à 5 km de l'arrivée, dans la descente, il faut remonter pour gagner l'étape. Ouais. Voilà, ça serait, c'est tout con, mais. Non, mais ça peut être des petits bonus en plus. Ouais. Puis il y a des trucs que tu réussis facilement. Après, c'est sûr que voilà, ils ont pas les moyens de e-sport, de pour avoir des serveurs, etc. Machin, tout comme ça. Donc, oui, ça, c'est sûr que là. Ils n'ont pas les mêmes moyens, on peut pas blâmer de ce côté-là. L'argent. Mais c'est déjà bien parce que chaque année, il y a des améliorations. Hein. Ouais. Il y a des jeux, des fois, tu en achètes un, tu vois l'autre, tu te dis, oh, limite, tu as envie de rejouer à l'autre. Mm. Tu vois pas l'amélioration. Là, ce qui est bien, c'est que ça change au niveau des étapes, surtout là. Par rapport au foot, c'est toujours pareil, finalement, c'est toujours le même terrain. Ah, l'avantage, je pense, oui, c'est sûr que pour moi, tu as des étapes différentes et des équipes aussi qui changent. Mmh. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est... Alors que le foot, c'est pareil, c'est toujours une équipe, c'est toujours comme des baskets d'ailleurs. Ouais, tu vois, le terrain ne change pas, quoi. Voilà. Ah, c'est plus proportionné là, les relais. Oh, j'en prends toujours 4% de plus, mais bon, c'est pas excessif par rapport aux 32% avec Engoulevent hier. Olé! Je sais pas si vous entendez. Corrida! Où le taureau? C'est pas encore. Le taureau, c'est dans la dernière semaine. Dans les Pyrénées.
C'est vrai que j'ai dit une bêtise la dernière fois, j'ai dit que c'est la première fois que le Tour de France passe trois zones montagnes, enfin trois... D'habitude il y a les Alpes, les Pyrénées, point. Que là il y a les Blancs d'Alsace cette année. Mais c'est pas la première fois finalement. Bah non, parce que des fois il y a du Jura, il y a les Vosges, il y a... Il y a même l'an dernier, ils ont passé Massif Central avec le Ventoux. Ouais, donc oui, non, il y a plusieurs. Mais après c'est sûr que généralement les deux montagnes en France qui se distinguent. Il y a deux chaînes, il y a deux grosses chaînes. Les grosses chaînes, c'est les Alpes et les Pyrénées. Voilà, on monte à des altitudes supérieures à 2000, alors que dans le Jura, on s'approche des 2000, mais on ne les dépasse pas. D'ailleurs, il y a deux massifs qui sont vraiment considérés comme des massifs alpins. Le Jura, c'est plus... Il y a de l'alpin, hein, c'est sûr, c'est bien. C'est plus pour les débutants, c'est bien. On va dire, évidemment, tu t'ennuies plus. Et par contre, c'est très très bien pour ce qu'ils te font. D'ailleurs, tout ce qui est biathlon, hein, Fourcade et autres, ils s'entraînent où ? Dans le Jura. Fourcade, il vient des Pyrénées pourtant. Ouais, mais c'est vrai que les fondeurs, c'est là, quoi. Le même fondeur, enfin, biathlon, l'ami Chapuis aussi, tout ça, je veux dire, c'est... C'est vrai qu'on dit beaucoup, le Jura, Franche-Comté, c'est des zones paysannes, il n'y a rien, etc. Si, c'est magnifique. Mais pourtant, on a des bons athlètes quand même. Au niveau des sports d'hiver, on a des... Enfin, surtout dans tout ce qui est fondeur, oui, on est très très bien. On a Alexis Villermont, merde, hein ? Ouais. Et sur ce secteur-là, médaille olympique, justement, en fond, Emmanuel Jonnier. Ouais. Moi je connais pas, mais je dis oui, mais j'y connais pas. C'est mon entraîneur de basket. Ben il a été médaillé olympique pour ceux-là, ceux d'avant. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Moi je connais absolument rien en sport d'hiver. Je regarde parce que moi j'aime bien, ça passe le temps, ça fait un bruit de fond. Un peu comme le foot en ce moment. Ouais. Mais non, je suis pas trop. Ben moi ce que j'aime bien dans les JO, c'est que tu vas voir à la télé des sports que tu ouais, vois c'est ça. Peu souvent. C'est ça. Après c'est sûr, le ski de fond seul. C'est un peu longué parce que tu sais, il y a moins d'action. Par contre, j'aime bien le biathlon parce que tu sais, avec le tir et tout, ah, le tir, c'est sympathique. Ouais. C'est vraiment. C'est stressant. C'est un peu stratégique. Tu vois, c'est plus. Faut pas te griller pour arriver puis être trop essoufflé pour tirer. Après, moi, c'est le vélo aussi. C'est un peu dommage qu'il. Je trouve qu'il n'y a pas de courses qui sont passées sur France Télévisions, quoi. Bah, il passe le tour, il passe certaines classiques, les plus grandes. Et après, ça se partage entre Eurosport, Mainsport. Ouais. Et après, même la route du Sud, par exemple, qui est, c'était sympathique. Elle n'est pas passée à la télé, par exemple. Tu vois c'est dommage. Ben, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, route du Sud, Rayo Domer vient pas. Kevin Reza ? Non, Alexis Viermo. Non, mais c'est vrai que... Tu sors. Allez, tu sors. Kevin Reza a gagné le meilleur poids. Tu peux y aller. D'une étape, d'un tour. Pourtant, c'est un sprinter. Mais je sais plus quel tour. Je sais pas. Alors là, franchement, je sais pas. Oui, c'est Alexis Viermo qui a remporté le tour du Sud, ouais. En meilleur grimpeur. Ah ouais. Non mais c'est bien parce que c'est un coureur qui est coéquipier, il a fait un super Giro, alors qu'en plus il vient d'arriver dans une équipe AG2R qui est très costaud, c'est pas évident de te faire une place. Ouais, pour dire, donc, il a confirmé, c'est le coureur de l'AG2R qui a le plus de jours de course. Donc le Giro, il aurait même pu faire encore mieux, mais bon il s'est tellement démené pour son leader que bah voilà. 11e, hein. Ah ouais, 11e du Giro, hein. Première participation. Ouais. C'est énorme. Et puis bah là, voilà, meilleur grimpeur. Moi je. J'aimerais que ce coureur gagne une victoire d'étape avant la fin de l'année. Ça récompenserait son... Bah, surtout que quand tu regardes, il y a un autre, il y a Alexandre... Comment il s'appelle déjà dans l'équipage des Alexandre... La tête de course Alexandre. S'approche du sprint de la vidéo. Ouais, bah regarde voir son téléphone là. Alexandre... Merde, je sais plus. Et ben, il y a quoi lui ? Bah il a gagné deux étapes déjà. Et alors que c'est un jeune arrivé tout fraîchement également comme Alexis. Mais c'est plus un... C'est pas vraiment un coéquipier modèle aussi, tu vois. C'est plus un... Ouais, c'est Alexandre... Ah, je sais plus du tout son nom. Tu vas me le dire, je vais te dire, ah oui, tu vois, par exemple. Mais là, je sais plus du tout, là. Tu me diras la première année de son nom, si tu trouves. J'essaierai de le deviner en live. Mais en tout cas, il a gagné deux courses, déjà, je crois, cette année. Alors qu'il vient d'arriver. Mais bon, après, c'est pas un équipier modèle, hein, aussi, hein, comme Alexis Viermo. C'est Alexandre ou c'est Alex ? Je pense que c'est Alex. Ah, c'est pareil, merde. Ah, Alex. Ah non, c'est Axel. C'est pas Axel plutôt ? Axel comment ? Ça commence par un D. Vas-y, te dire la première lettre. Bah, si c'est Axel, non, je vois pas. Deux mots. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Il y a Alexis. C'est pas Viermo. Goujard. Ah, Goujard, si, c'est Alexis Goujard. Voilà. Qui est arrivé il y a pas si longtemps et qui est très jeune. Hein, il vient également de. Il a gagné Alexis Goujard, 93. Ouais. Vous arrivez à remporter le sprint intermédiaire.
Après, il faut dire que Guillermo, il arrive du VTT, disons que je vais y arriver, et qu'il a fait un grand tour, ce Tour de France. Mmh. Et que voilà, quoi, c'est deuxième grand tour, onzième, chapeau bas, quoi. Après, dans le Jura, il y a beaucoup de personnes qui viennent du VTT, parce que c'est typique, ouais. Enfin, c'est très propice au VTT. Dans et point fort, bon, son budget, son VTT, son technique, sont bons en grimpe, généralement, ouais. Et en descente. Ouais. Après, des fois, il manque un peu de puissance. C'est pas donné à tout le monde, hein, d'être bon en descente. Hein. Oui. Parce qu'on peut perdre un Tour de France, certes on peut perdre un Tour de France parce qu'on n'a pas la puissance à monter, mais on peut perdre en descente aussi. Ah bah bien sûr. Puis je pense sur les pavés il aurait pu être à l'aise. Parce qu'il y a l'équilibre sur le vélo quand même. Puis c'est dommage parce qu'en plus bah, lui ça passait dans sa région quoi. Ouais. Après ça passe peut-être aussi dans la région de certains Josers. Mais bon. C'est pas le seul après ah bah non, Josers, voilà. Puis comme il l'a dit, hein, deux tours de suite dans une équipe, c'était prévu qu'il fasse la Vuelta à la base. Le Giro, c'était pas prévu à la base. Hein. Donc, et deux grands tours en journée, c'est quand même pas mal pour un jeune. Pour un coureur qui débute, entre guillemets, sa deuxième année pro. Hein. Ouais. Il a déjà fait le Tour de France l'année dernière, il était pro dès novembre. Hein. C'est super. Après, voilà, forcément, nous, il est du coin, on a envie de le voir. Quoi. Et on a discuté le sprint ou pas? On a parlé là, mais. On est attentif, hein? On est attentif, vachement. Bon, ça va, tant que tu loupes pas l'arrivée, c'est bon. Bien, t'as pris Coca. T'as vu ça? C'est un peu tard, je pense, mais bon. Je peux pas grappiller de points, tu crois? Non. Non, là, c'est mort. Ouais, y'a trop de coureurs dehors. Vite. C'est qui a échappé déjà? C'est Arashiro? Si ça te regroupe, ça fera une échappée trop importante. Voilà. Hop, ben, c'est bon. Il reste 62 km. Il reste encore 30 km, un petit peu de plat avant d'attaquer les choses sérieuses. Enfin! Là, c'est parti! Hein. T'as bien vu le ravitaillement de tout le monde? Ouais, c'est parti hein, après. Hein. Dès qu'on passe le premier col, les amis, on est parti pour deux semaines de montagne. Quasiment. Ouais, avec une autre étape au milieu. Voilà. Mais ouais. Moi, j'ai trouvé vraiment bizarre le Tour de France. C'est la fin du Tour de France qui va être bizarre. On compte pas on termine. Enfin, on compte pas être sur l'analysé. Non, bah non. Avant dernière étape, compte la montre. Et avant, ouais. Étape de plaine. Ouais. Moi, okay. J'ai du mal à comprendre. Ouais, c'est... Et je crois que c'est sur la Volta cette année, où ça terminera sur un contre-la-montre. Ah bon ? Vérifie, si tu veux. Mais il me semble que ça termine sur un contre-la-montre. Ça débute par un contre-la-montre par équipe, comme chaque année, il me semble, depuis quelques années déjà. Et ça termine sur un contre-la-montre individuel. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Si c'est serré, ça peut faire du spectacle. Après, en général, moi, jusqu'au bout, personnellement, hein. Ce que je trouve dommage, c'est que tu vois les Champs-Élysées, par exemple. Ouais. Pour moi, ça devrait être une étape comme une autre. Pourquoi on n'a pas. Enfin, à chaque fois, il y en a un qui arrive, il dit, bon, bah voilà, les maillots jaunes. Si demain, je sais pas, From, il y a deux sur les Champs-Élysées avec 10 secondes dans, sur ouais, Contador. Ouais. Moi, je suis Contador, je suis désolé, j'attaque. Hein. Eh, 10 secondes, je les veux. Ah, mais s'il y a 10 secondes, il n'y aura pas de champagne. Hein. Je pense pas. Non, mais tu vois, il y a une année, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était Kader Evans avec le chèque. Je crois qu'ils avaient 30 secondes ou un truc comme ça. Et mais moi, mais 30 secondes, j'essaie de le prendre, le maillot. Mais je sais pas s'ils ont le droit de... Je sais pas si sur les Champs-Elysées, tu as le temps qui est pas... tu vois. Bah, pourquoi je sais pas s'il est pas neutralisé l'étape, justement. Je sais pas. Bah, c'est pas normal. C'est nul. Moi, je veux du spectacle jusqu'au bout, moi. Bah, regarde, tu peux vérifier si la Volta ou pas sera bien terminée par un sprint, ouais. Par un contre-la-montre, s'il te plaît. Je te dis ça. Parce que la Vuelta sera diffusée sur ma chaîne, hein, je tiens à le dire, sur Pro Cycling Manager 2014. Donc on fera un sondage hein, pareil avec quelle équipe vous voulez voir. Ne votez pas Europcar s'il vous plaît. Parce que voilà, on va faire le Tour de France avec Europcar. On fait la Vuelta avec Europcar, il n'y aura pas Roland, je pense, déjà. Je ne vais pas faire trois tours de suite, hein, Roland. Ça peut être votre dieu. Ouais, faut changer un peu. Hein. Vuelta. Donc celle-là, tu dis ? La Volta, ouais. Tu peux me tromper après. Hein. Erreur est humaine. Hein. L'humain est une erreur, de toute façon. Allez. Ouais. Moi, je serais sur Wikipédia, je serais pour voir. Ouais, attends, je suis directement sur un plan, donc on va voir. À toi de voir. On approche de la fin, c'est chacun pour soi. Bah, un plan, ça va être vachement pratique pour voir si c'est un compte à rendre. Si, c'est un compte à rendre. Regarde, tu vois pas le chrono là ? Et voilà, j'avais raison. Putain, j'aime bien avoir raison quand même. J'avais aussi raison pour le plan. je vais parler d'un petit sujet. Vas-y. Un coureur qui m'a déçu ces derniers temps, c'est Bettencourt. Il a fait un beau Paris-Nice. Lui et non, parce que sans ses coéquipiers, il n'aurait rien fait.
Mais il fait plus rien, Bettencourt. Il est malade, je crois, en ce moment. En fait, alors après Paris-Nice, il a été malade, mais je sais pas s'il a pas été piqué ou je sais pas quoi pendant une guerre. Enfin, il y a eu un truc comme ça. Mais après, il a fait un petit virus. Il a fait des embrouilles après, je crois, avec l'équipe. Pas. Mais apparemment, oui, du coup, il a eu du mal à s'en remettre, machin. Enfin, il y a un problème. Hein. Alors qu'en début de saison, on disait, oula, pour tout, il va être costaud, il va être machin. Et finalement, bah là, depuis le Paris-Nice, un rideau. Mais je crois qu'il a eu des tensions avec l'équipe. Hein. Je crois qu'il était resté en Colombie ou un truc comme ça pendant un contrôle et qu'il a pas été. Enfin. Je sais pas. Ah. Il nous a fait une tango, je crois. Ouais, bah là, oui. Oui, tango, oui. Ah, c'est vrai qu'il y a des cyclistes, ils sont contrôlés, ils ont contrôlé de Mopilé plusieurs fois dans l'année. Hein. Bah oui. Il peut être chez lui tranquillement en train de siroter son petit cocktail, le mec il peut venir, allez, pipi dans le flacon, on contrôle ça. Ah ouais, c'est le sport le plus surveillé de toute manière. Et pourtant c'est le cinquième sport où il y a le plus de dopage, qu'on voit c'est pas le premier. Non. On a souvent tendance à, surtout en période de Tour de France, on a souvent tendance à, les médias ont... Ils aiment bien un petit peu mettre leur grain de sel sur Tour de France, hein, dire c'est le sport le plus méchant au niveau du dopage, etc. Sauf qu'on parle pas du rugby, on parle pas du foot, on parle pas de l'athlétisme, on parle pas des poneys, je sais pas. Plus il y a du dopage aussi en équitation. Ouais, ouais, les chevaux, pas chez les poneys, mais les chevaux. Ah, par contre, j'ai un truc qui me vient en tête, je sais pas pourquoi, c'est par rapport à ce que tu as dit, pourtant ça n'a pas de rapport. Il faut quand même signer que le vélo, on a l'impression que c'est pas le sport le plus médiatisé, le plus connu. On est d'accord. Ouais. Pour au foot et tout. Il faut quand même savoir que le Tour de France, pour un événement qui a quand même lieu chaque année, va être couvert dans 190 pays. En comparaison, la Coupe du Monde qui a lieu tous les 4 ans, 192 pays. Ouais. Ce qui montre quand même que le Tour de France est un événement planétaire. Et que même si on dit que le vélo n'est pas couvert, mine de rien, le Tour de France, alors peut-être pas le reste, mais le Tour de France était un des événements sportifs les plus suivis au monde. Bah oui, ouais, c'est sûr. C'est la course à ne pas rater le vélo de l'année, quoi. On va dire. Et en parlant de ça, ouais. Toi, tu étais contre le fait que, par exemple, le Tour, ils allaient s'exporter en Angleterre, etc. Mais bon, ça aide aussi pour le côté médiatique aussi. Ouais, surtout financier. Ouais. Parce que le médiatique, de toute façon, celui-là, ils l'ont toujours eu. Et depuis des années, il y a de plus en plus de coureurs de tout horizon qui arrivent. Avant, c'était plus restreint, on va dire. Maintenant, t'as des mecs qui viennent des îles, voilà quoi, c'est quand même beaucoup. Mais après, je suis pas totalement contre. C'est-à-dire que, il y a déjà eu des trucs comme ça par le passé. Faire une étape à l'étranger, enfin, qu'une étape passe, c'est-à-dire que, je sais pas, cette année, en Belgique, tu fais Jura, tu passes une étape, tu es dans la Suisse et tu reviens en France. Ok, parce que t'as fait un passage, là je veux bien. Que ça arrive en Suisse et ça repart le lendemain, puis ça refinit en France. Donc en fait, tu fasses une étape un peu en Suisse parce que par rapport au tracé que t'as fait, pour, ouais. Tu vois, t'es obligé pour revenir. Mais là, trois étapes carrément en Angleterre, là je trouve ça un peu trop. Mmh. Et faut pas se leurrer, pourquoi c'est en Angleterre? Bah, Froome, ah, parce que c'est Froome, parce que c'est Cavendish, parce que c'est la Sky. Ouais. Froome n'aurait pas gagné le Tour de France, ça aurait été Contador, il serait pas parti. Ouais, bah si, parce que c'était prévu déjà. Ouais, mais bon, voilà, quoi. C'est parce que ça fait 2 ans qu'il y a Wiggins, ouais. Machin, et que c'est la Sky qui domine. Donc, à mon avis, il y a aussi un truc un peu, tu vois, il y a eu, je dirais pas qu'il y a une petite pression, mais tu sais, voilà, c'est un peu. À mon avis, il y a un peu un petit truc de l'ordre comme le Qatar dans le foot, tu vois. Peut-être. C'est pour la Coupe du Monde, c'est. Et ça se trouve, dans 5-6 ans, partira de Dubaï. Hein. Oui, non, mais voilà. Ouais, et pourquoi on partirait pas de la Réunion? Merde quoi! Non mais là c'est différent parce que tout c'est la France! Oui voilà, là ça me gênerait moins. Mais bon après c'est parce que logistiquement c'est impossible. C'est, déjà de la Corse c'est la merde déjà. Ouais c'est déjà. Pourtant c'était. Moi j'ai vraiment bien aimé. Hein. Bravo quand même aux équipes parce qu'on parle des jeux d'ici et tout, mais bravo aux équipes techniques, aussi bien aux équipes techniques qui organisent le tour. Ouais, parce que c'est parfait généralement. Et aussi aux mécaniciens, à tout. Enfin parfait. Parfait. On se rappellera du bus, de l'équipe. Ouais, il y a ceux qui font rien, qui font pas de conneries, guillemets. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié le 100e Tour de France, pour la 100e édition, c'était en Corse, et franchement, je trouvais magnifique. Vraiment, ouais, les trois étapes, j'ai vraiment bien aimé. C'est dur, la Corse, ça. C'était vallonné, c'était intéressant. Là, à part la deuxième étape, qui sera vraiment belle, je pense, c'est une classique, on en a parlé. Ça m'étonnerait pas que ça finisse avec un vainqueur hors sprinter. Par contre, c'est vrai que la première et deuxième, troisième, ouais. C'est tout cul pour un Cavendish, on va dire. Bah, ouais. Et c'est fait exprès. Voilà quoi, c'est pas des étapes, ça va vraiment des pures étapes pour le maillot vert. Voilà.
En même temps, c'est normal qu'il y ait une étape. En plus, attends, elle arrive ou elle passe? Elle arrive chez lui à Cavendish. L'étape. Laquelle? La première ou deuxième ou je troisième? Sais plus, il y a une des étapes en Angleterre. Je sais pas, la première, elle fait Leeds, Sheffield, je crois. Non, Leeds, Argot, je crois, ou un truc comme ça. La deuxième, elle fait York, Sheffield. Et la troisième, elle fait Sheffield, Londres, je crois. Je sais plus, mais comme ça, il y a une des étapes où ça arrive, ou du moins l'arrivée pas loin de chez lui, tu sais. Okay. Et du coup, c'est pour ça que bah, du coup, il est encore plus grand, c'est-à-dire en Angleterre, et là, ils vont passer. Ce sera peut-être la première, parce que la deuxième, à mon avis, il la gardera pas. Non. Je sais. La deuxième est trop dure. Décidément, hein, merci les portables. Hein. Ouais, les iPhones et trucs comme ça, les smartphones, c'est vraiment, ça aide beaucoup. Même les journalistes, hein, d'ailleurs, hein, qui utilisent plus que ça maintenant pour trouver des informations. Ouais, hein. Et d'ailleurs, hein, Olivier Lascience, hein, qui utilise Wikipédia pour parler des châteaux quand on en voit un. C'est exactement sur Wikipédia qui sont les informations. Alors. Attends, mais il est issu de l'île de Man, lui? Je savais même pas. Ah non, je vais peut-être mal, non, je me suis peut-être trompé. L'île de Man, ceux qui font de la moto, ils doivent connaître. Hein. J'en fais pas. Alors en fait, il y a une course qui se fait là-bas. C'est le TT. Et en fait, c'est une course, mais pas sur un circuit, sur la vraie route. D'accord. Donc en fait, si tu veux, c'est super parce que les gars, ils vont, le record, je crois que c'est 331 km/h. En fait, ils vont comme des fous dessus une route. Ah oui, mais j'ai déjà vu. Qui est pas, tu sais, avec qui des bottes de paille, etc. Non, ouais, ouais, quasiment pas. Mais t'as pas de rail de sécu, t'as pas de ouais, j'avais vu. Voilà. Et puis tu passes au milieu des villages à Donf, et puis donc t'as 6 tours, je crois. Et puis bon, tu sais, la route, elle est pas parfaite, quoi. Donc c'est une course de la course de la mort. Il y en a qui l'a sur. On va peut-être se replonger dans la course. Ça commence à être intéressant là, avec voilà la Sky qui déroule avec Richie Port. Chavanel, hein, dans la route d'Enif, là. Et il va forcément. Il devra être fort, de toute façon, je pense. Merde, j'ai demandé à mon classe ravitaillé. Voilà, erreur. Ouais, mais ça, vraiment, ça m'y fait souvent. Okay. L'Astana présente, hein, l'Astana, vraiment bien représenté. Engoulevant, déjà, un petit peu. Sur le côté. Je demande à vos clairs de venir vers moi. Okay, je vais relayer tranquille. Ah ouais, il a mangé. Il me protéger. Il peut. Il est en pleine forme, là. La barre de céréales entre les dents, là, c'est bon, vas-y. la piqûre également entre les fesses. Allez hop. Je sais pas pourquoi je sens bien Nibali, moi, dans ce tour. Dans ce tour-là, tu sens bien Nibali, parce que la Stana est représentée, quand même, là. Ouais, et puis tout à l'heure, ils ont bien demandé de rouler, donc... Rui Costa, le Paul Touguesh. Ça c'est son étape, il attaque. Il me pousse. Il me pousse dans le gravier. Ça accélère, hein. Accélération de Rui Costa. La Sky, Astana, la Movistar qui saute. Dans la roue, hein. Ils sautent pas parce qu'ils sont morts. Il ouvre au clair là. Perdu. Il est là. Donc tu m'as dit qu'il vaut mieux que je passe dans les premiers, quoi, dans cette ascension. En fait, en général, ils font une succession d'attaques. Mais ça part pas vraiment. Par contre, ça craque à l'arrière. Ça lui souhaite, hein. Donc il faut être bien placé, il faut essayer de revenir à chaque fois sur les trucs. Attends, Valverde. Normalement, quand ils attaquent, ils vont se neutraliser. Donc en restant sur le petit plateau, comme ça, même en étant premier, des fois, tu vas revenir tout doucement sans user ta barre jaune. De toute façon, c'est pas... Ouais, donc, de toute façon, là, pour l'instant, c'est pas eux qui me font plus peur. C'est plus des Contador, des Froome, des Nibali, quoi. Voilà, en plus, Un équipier vient de se faire lâcher. Engoulevant, au revoir. Une belle équipe, Astana. Ouais. J'ai vu aujourd'hui, par rapport à Astana, que Nibali avait eu un avertissement par Vinokourov. Ah ouais? Ouais, parce qu'il a gagné qu'une seule étape, hein, cette année, c'est la nationale. Sinon, il a fait des places. Et du coup, par rapport au salaire qu'il lui verse, il trouve que c'est pas normal. Voilà, il va peut-être se défoncer sur le tour. Bah, du coup, ouais, en gros, entre guillemets, ouais, je pense que juste avant le tour, je pense que c'est un petit peu un avertissement, quoi. Ouais. Après, ouais, c'est vrai que Vinokourov, lui, c'est un très très bon coureur, quoi. Ouais. Bah. Après, j'ai appris un truc aussi aujourd'hui, mais bon, c'était un fake. Contador s'est tordu le pied en descendant les marches de l'escalier. Ah ouais, je sais pas c'est qui l'a envoyé. Je sais pas. Ah, c'est abusé quand même. C'est abusé. N'empêche, on rigole, mais ça pourrait abuser. Et ça peut arriver, n'empêche. Hein, ouais. Tu descends même du bus le matin avant d'aller au départ. Hein.
C'est pour ça qu'il y a des escalators maintenant dans les bus. Ah, tu sais, n'importe quoi. Le matin, en allant faire pipi, il se coince la bistouquette dans la lunette et puis fin. Ouais, bah tiens, Nibali, on parlait tout à l'heure. Ah ouais, en descente, alors là. Ça descend à 3%, 4%, c'est pas de la grosse descente, c'est plus roulant qu'autre chose quoi. Non, et d'ailleurs, si t'es là, tu vois, là, tu seras un petit peu lâché pour revenir, tu te fatigues là. C'est pour ça que c'est bien. Il y a un de ces trains qui est en train de se former là. C'est bien parce que t'es un des seuls, j'ai l'impression, à avoir un coéquipier vraiment, enfin plusieurs coéquipiers. J'ai déjà des cassures, on est plus que 52 dans le peloton. Il essaie de sortir du peloton. Ah, Barguils. Ah, c'est lui qui traîne avec le maillot de la Giant. L'écart semble stabilisé. Moi j'ai deux coéquipiers, je crois, avec moi là. J'en ai vu au moins deux, ouais. Bah, Gauthier Vauclair, logiquement. Ouais, peut-être Malacarné aussi. Possible, ouais. Vauclair est là, je l'ai vu, c'est sûr. Gauthier. Puis Malacarné doit être là, vous êtes 50. Hein. Non. Même pas, putain. Sika aussi, la poêle. En même temps, je vais pas donner leur gâteau. Hein. Ah bah bravo. Ah, Purito, il passe à l'attaque. Froome également. Moi, je monte en grand. Je monte tranquille. Je vais pas m'exciter. Pire des cas, je peux presque demander à Gauthier d'aller le chercher s'il faut. Hein. C'est pas... ouais, ils vont se neutraliser. Il faut juste rester, ne jamais être trop loin de ceux qui attaquent pour pouvoir revenir à chaque fois tranquille dans les rues. Bien, j'étais un peu serré là. C'est qui c'est... Je crois que c'est Katowski qui essaie de partir devant. Mais, en fait, ils se fatiguent vraiment quoi, dans cette course là, les gars. Ils font des petites attaques, des à-coups. Ça sert à rien ce qu'ils font. Non, ça sert à rien. Ah si, ça en fait lâcher. Il y en a qui vont prendre une grosse claque parce que justement ils vont vouloir à tout prix suivre et du coup ils vont se mettre dans le rouge. C'est surtout ce qu'il faut pas faire justement. Ouais, mais Vauclair, faut accélérer un petit peu. Ouais, c'est gentil, là, faut pas rester derrière. Ah, enfin, si tu vois qu'il roule pas, tu vois. C'est là, Martin, je savais pas que c'était. Ah, il me gêne, là. Pino. Un kilomètre. Et un kilomètre avant de basculer. Ouais, l'avantage, c'est que tu peux mettre un petit peu le grand plateau, vu que t'as ton gâteau, il va avoir une petite descente, tu vas pouvoir récupérer, ça va pas te pénaliser. Par contre, tu passes en même temps qu'eux, c'est bien, nickel. Allez, c'est audacieux. Dans la dernière descente, même si elle n'est pas... Mais de toute façon, on gagne pas un Tour de France en restant le cul sur sa selle. Hein. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Non. Enfin, oui. Il passe à l'offensive. Moi, faut que je prends mon gâteau. C'est peut-être une erreur. Hein. Je sais pas grave. De toute façon, on apprend en faisant des erreurs. Et là, j'ai cassé le peloton. J'ose le dire. Non, ça fait un peu... Tu peux pas te mettre en position aérodynamique, c'est un peu... Parce qu'on ne fait pas trop d'efforts dans la descente, hein. Ah, Chavanel dans la descente en même temps. Oh, puis l'attaque, il est même pas, c'est même pas lui, tu sais. Attention à lui, il attaque à l'arrière. Ah, 9%, c'était intéressant. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent. Oh, beau virage. Pour une fois, j'en prends un bien en descente. Ah, si, il est là, mais au jeu. Hein. Oui, non, mais il attaquait pas. En fait, il revenait quand il a dit qu'il attaque. T'as pas... Tu sais, quand tu t'es retourné, ouais. En fait, il revenait, il y avait 4-5 mètres de retard, il revenait. Il fait rouler ses gars, car c'est un danger pour le général. Mais il peut les faire rouler, à mon avis, ils sont plus là. Ça aussi, c'est mal fait, des fois. Ouais, des fois, c'est lui qui roule, en fait. Voilà, tu regardes, ils sont tout seuls, ils sont 3, et il fait rouler ses gars. Ouais, ça fait rouler le peloton qui a 10 minutes, on s'en fout. Hein. Ah, voilà. Là, c'était mal fait, hein. Là, il y a ça, bugué, hein. Ouais, j'ai pris l'herbe. Ouais, on peut prendre l'herbe. Attaque en tête du peloton, c'est pas le moment de se regarder. Il y a plus l'équipe qui est là. Là, ça va être intéressant. C'est le... Ouf, ouais, tu l'as mangé la barrière, hein? 16% d'un coup, j'ai pris dans les jambes. Ça doit freiner quand même, 16% d'un coup. Ouais. Tu passes de... Moi, 9% de descente. Ce que je fais ici, voilà, c'est ou gros plateau sans attaquer, ou petit plateau et j'attaque. Mais faut pas faire faut pas mettre gros plateau et attaquer. Faut pas faire les deux. À part si t'as un gâteau en cours, quoi. Oui, oui, mais là tu l'as pas, donc. Là, c'est parti, les amis, là. Derrière moi, mettez des commentaires, savoir si on est bien parti ou pas. N'hésitez pas à partager. Ah, mais vous les avez pas rattrapés, les gars. Ouais, c'est vrai. Ah, ils vont y arriver quand même, là. Ah, ils sont plantés, hein. Attaque derrière moi. Il y a de la glu sur la route, hein. Ouais, mais au moment où ils vont arriver vers toi, ils vont être cuits. C'est ce que je fais, parce que j'ai mis un petit coup, tu vois. Ouais, ils sont...
Ah, il va pas te manquer grand chose, à mon avis. Ouais. Mais il est trop vite. Dommage. Allez, on continue comme ça, allez. Putain, ils sont arrivés au bout, c'est bien. Ouais, c'est qui a gagné? Gissing. Gissing. Ouais. Il prend le temps en plus, hein, il se relève. Hein. Allez, hop, tranquille. Allez, bloque-moi. Au bout. Ouf. C'est bien. Quatrième place de Roland. Oh, tu vas bien prendre 30 secondes, là. Hein. Ah, c'est qui? C'est Rodriguez qui arrive, hein. Rodriguez, Rodriguez, ouais, tu vois, à peu près. Hey, 39, 38. Dixième, Vauclair. Ouais, pourtant, il a mangé son gâteau pour lui. Ouais, ouais. Ah, il a une bonne récupération aussi. Hein. Ouais, bah oui, oui. Je crois que c'est la deuxième fois que je fais quatrième avec Roland. Contador n'est pas dedans. Hein. Ouais, il dit ça, je sais pas où il est, mais il est pas dedans. Il dit Nibali, Costa. Ah, t'avais dit Nibali qui ferait un bon tour. Hein. Ouais, il est pas mal. Ouais, il est pas mal pour l'instant. Bon, Fromosi, on est en raison là. Il y a qui c'est Contador qui a. Enfin, bon, ouais, il est 11ème. Hein. Oui, il peut être 11ème. On va voir ça. Eh ben dis donc, belle étape. Ah, enfin, 30 derniers kilomètres. Ouais, voilà. Mais super, joli en plus de gueule. Les deux étapes, on va dire. Les deux points, les deux étapes importantes. Important. Tu les as bien réussies. Après, c'est pas Otakam. Ah non, on est d'accord. On est d'accord. Ah voilà. C'est pas Chambou, c'est déjà maillot jaune. Alors, ça, c'est bien et pas bien. C'est pas, ouais, c'est bien parce que c'est ton équipe qui va rassurer la chute des Chavales. C'est ça, ça va faire travailler l'équipe. Après, les équipes françaises, généralement, elles crachent pas sur maillot jaune. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot. Maillot à point. Ah, Chiro. Voici France. Le maillot à poids de ce Tour de France. Et voilà. Il en profite, c'est le dernier jour. 2, 3, je sais pas si vous voulez dire ça. Non, mais sinon il va en profiter là, c'est le dernier jour qu'il veut. Demain c'est terminé. Encore 2 étapes pour le repos, je crois. Ou 3. C'est à combien là? 8ème? 9ème? 8? 9? Ouais, c'est après la planche des belles filles, je crois, le repos. Mais là 8ème là. 8ème? Ouais, c'est après, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, on va sauvegarder. On va regarder ensuite. Ok. T'es sûr que c'est pas. Besançon, leur peau? Si, si, ça Besançon, leur peau. Donc c'est dans 2 étapes. Ouais. Bon, ouais. Donc, alors, eh ben dis-toi que Contador, il finit à 1.27, 13ème. Ben bien. Romain Bardet, 16ème. Bien, c'est bien ça. Ouais. Pinot, je sais pas. 29ème. Ouais, Katowski, ouais. Horner, survivant. Sagan 34ème. Devant Tendam. Ouais, ouais, bien placé. Devant Ulissi, devant Talensky, devant Galopin, devant Barguil. Ouais, Wiggins, où il prend mal. Evans aussi il prend. Riblon 55ème, on a vu qu'il avait lâché très vite dans l'étape. Pozzo Vivo. Pas bon dans le jeu. Non. Allez, qui c'est qui prend beaucoup de temps là? Ouais, normal hein. Les équipiers, on va dire. Bah non, fait franchement 4ème, 10ème, 25ème pour l'instant pour le classement d'équipe, c'est pas mal. Maillot à poids. Ça va être attribué. Ah, il n'y a qu'un point attribué. Cette table là, c'est bien. Ah non, mon équipe, d'accord. J'ai pas. Tarmac en prend 7. Ok. Les jeunes. Bon, ça va commencer à se décanter. L'équipe en fait 2ème. On va regarder le classement. C'est voilà. Waouh, putain. Tortez comme au cou là. D'un coup là. Le mais classement général. Premier Roland. Chavanel, il l'a pas. Ah oui, 4,55 quand même, derrière sur on va dire sur le premier, vraiment. Bruy Costa, je le compte parce que dans le jeu, on va dire Valverde, 3 minutes déjà. Pour le contre-la-montre, il peut être dangereux, Valverde. Ouais. Non, mais je veux dire, pour le général, ouais. Tu sais, avec la montagne, tout, sachant que. On va dire le plus. Contador, ouais, 30-31 déjà. Donc ça c'est le général, tu peux voir ça, la prochaine c'est... étape en plus. Ouais, après je peux voir la prochaine étape, ouais. Parce que si elle est... si elle... Oui, je pense qu'il y a... Ah, c'est Mulhouse la dernière étape, je crois. La prochaine étape. Hein. Quand on voit Froome à 4,55 déjà... L'avantage c'est que les premières étapes de vraie montagne, si t'arrives, je dis une connerie, 4-5 minutes, tu vas pouvoir les laisser tous s'attaquer, et puis attaquer dans le dernier col, et puis hein. Voilà. Non, on va assurer, quoi. Kittel, ouais, bon, ça va pas changer, Rashiro... Ça va pas changer. Les jeunes, hein, Katowski, Betancourt, Barguil, Sagan, Pinot, Sagan. Les équipes, oh, pas mal, 4-30 déjà sur l'Omega. Combatif, bon bah ça. Ouais, ça c'est un bon. Première à Chiron. Mais, bah, en même temps, il fait que d'attaquer. Voilà. Bon, ça va jamais au bout, mais. Il a pas de chance, c'est pauvre. On va voir la prochaine étape, bah voilà. Gérard Maire, Mulhouse. Là, ça va être sympa parce que. Ça va être sympa. Je veux dire, de l'animation tout au long. Ce qui est presque dommage sur cette étape, c'est que ça finit vraiment sur du plat. Ça va attaquer en descente, c'est un Nibali qui va gagner. Ouais, et encore, est-ce qu'il va attaquer parce que. Il y a 10 km, il y a trop de plat après. 10-15 km de plat. Ouais. Donc ça peut être.
pourra vraiment avoir des bonnes jambes au du troisième et être sûr de pouvoir tenir. Ouais. Tu vois, et puis je me rappelle plus si la descente est technique ou pas aussi pour sortir. Je sais pas. Puis tu sais, t'as le troisième, t'as, ça descend, puis t'as ce petit truc là. Ça c'est casse-pattes là, hein, ce petit. Ouais. Tu sais, ça monte, ça descend, puis ça. Ça c'est chiant. Bon, on va se quitter ici, on va voter pour les favoris pour la prochaine étape. Hein, voilà, c'est des baroudeurs, hein, des punchers baroudeurs, ouais. En même temps normal avec les descentes qu'il y a. On va se quitter ici, on se donne rendez-vous demain pour la 9e étape du Tour de France. Gérard Mer Mulhouse, 166 km. C'est pas encore la haute montagne, hein, on est toujours dans les Vosges. On y arrive. On vous fait plein de gros bisous. Je laisse le dernier mot à l'Inxunion. C'est du monde. Bye bye. Bah écoute, très sympa d'avoir été avec toi sur cette étape. Hein. C'était important. Parce qu'elle était quand même primordiale. Et puis, bah, je vous dis à bientôt à tous. Ciao tout le monde.